Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 23 septembre, je vais faire un petit vidéo rapide et billet rapide sur le blog à propos de Skype. J'avais parlé le 15 septembre comment installer Skype Alpha sur Gentoo et calculer Linux avec Emerge, que vous voyez ici. Il y a eu de gros changements, enfin de gros changements. Côté Gentoo, le changement a été appliqué cet après-midi. Où en fait la nouvelle version de Skype ne s'appellera pas Skype mais Skype for Linux. Donc le prérequis dans un premier temps, c'est de mettre à jour son arbre portage, hop, avec emerge-5. Ça c'est sur Gentoo ou on peut utiliser EIX si vous utilisez EIX5. Voilà. Grâce à EIX5, comme vous le savez, ça synchronise également les dépôts additionnels, les overlays. Et ensuite, si vous tapez EIX Skype, on va voir ici qu'on a Skype, qui moi est installé en version 1.7.0.1, donc ça c'était avant. Et là est apparu le Skype for Linux. Donc pour remettre le tout en ordre, on va désinstaller le Skype actuel avec emerge-c Skype. Ainsi, on va supprimer le Skype actuel. Voilà. Ensuite, on peut en profiter pour faire le ménage, comme j'avais dit, parce que j'avais remplacé, j'avais ajouté quelques paquets dans, enfin quelques lignes dans les fichiers package.keywords, je crois. Voilà, Skype. Donc ça, on peut le supprimer. Puisqu'on n'a pas besoin de démasquer. Il est stable. Et puis, on peut démasquer hein, ce que j'avais fait dans le fichier package.mask. J'avais masqué le vieux Skype. Donc ça, on peut l'enlever. On enregistre le fichier. Et donc là, le Skype for Linux, il est disponible en version 1.8. Donc pour l'installer, il suffit juste de faire Emerge. A vécu si vous voulez Skype for Linux et là automatiquement la nouvelle version de Skype va s'installer. Voilà, donc elle est offerte en binaire chez Calculate Linux comme vous le voyez à l'écran et là ça va installer le Skype for Linux et comme ça vous aurez la nouvelle version de Skype installée ici. Voilà, et donc maintenant si je relance mon Skype for Linux, cette fois-ci, ça me lance celui qui vient d'être nouvellement installé et je vous montre ici à propos de Skype. Voilà, c'est la version 1.8.0.2, celle que je viens effectivement d'installer. Voilà, donc maintenant vous savez comment changer votre Skype sur Calculate Linux ou Gentoo. Je vais faire un petit article très rapide sur le site qui récapitule l'ensemble des manipulations. Voilà, allez, ciao!